Et tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une vidéo glitch en partie privée sur Exodus. Donc voilà, j'ai trouvé un petit glitch sur cette map. Je sais pas si il marche en partie publique, en multi, mais en tout cas en partie personnalisée, il marche. Donc je vais tout de suite vous montrer le glitch sur Exodus. Donc voilà, il est assez dur à réaliser la première fois, mais dès que vous avez compris le principe, comment le réaliser en fait, c'est assez simple. Donc voilà, il n'y a pas trop de problème pour ça. Pardon. Donc, c'est dans un spawn de la map, donc j'espère spawner au bon endroit. Donc si, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont vu ce glitch, en tout cas. Je l'ai trouvé vendredi soir. Ce glitch. Non, je l'ai pas trouvé vendredi. J'ai trouvé quand? Lundi? Ça fait une semaine que j'ai trouvé ce glitch. Parce que j'ai pas joué avant. Bref, je sais plus. Non, vendredi, je crois. Enfin, bref, je sais plus. Donc, ouais, ça fait à peu près une semaine que j'ai trouvé ce glitch. Donc. Ouais, je spawn assez proche, donc ça va. Donc, ça va, il est pas trop dur à réaliser. Il n'y a pas besoin d'armes spéciales ou quoi. C'est juste un spot en fait, un petit peu pour passer à travers un mur. Donc, on va se trouver dans ce spawn et on va venir ici. Donc, voilà, se mettre sur ce bloc, sur ces petits bouts. Donc, on va regarder bien en haut, on va se décaler un petit peu, on va reculer, on va sauter et là, normalement, on va réussir à passer à travers le mur. Donc, il faut un petit peu de temps, je vous l'avoue. Mais dès qu'on a compris un petit peu la stratégie, comment le faire, normalement ça va. Donc là, hop, il faut reculer un petit peu parce que sinon vous êtes collé au mur et vous n'arriverez pas à le faire. Et vous mettez un petit peu des coups de joystick vers la gauche. Comme ceci, coup de joystick vers la gauche. Donc là, on recule. Voilà, on se met là, on recule. Coup de joystick. Mais là, en fait, vous allez passer dans le mur. C'est compliqué à dire, mais enfin à expliquer un petit peu, mais comme si vous allez passer à travers le mur. Attendez, je me suis, ouais, ok. Regardez en haut, tu décales un petit peu, tu recules. J'étais presque, les gars. J'étais presque. Non, dis-moi pas qu'ils l'ont patch déjà. Non, c'est une blague. Dis-moi pas qu'ils l'ont patch. Tu viens pas me dire qu'ils ont patché le glitch, hein? Non. Oh non, c'est une blague. Bon, allez, on réveille. Voilà, non, ils l'ont pas patché, parfait. Et donc là, vous descendez un petit peu, donc. Voilà, là, vous en fait, vous descendez, vous avancez, et boum! Ça vous pousse dans ce mur-là. Et voilà, vous avez terminé le glitch. Donc, vous êtes à l'intérieur. Et donc, regardez, vous pouvez tirer des balles, hein, si je tire. Allez. Si je tire là dans le mur ici, regardez, il y a les balles qui sont tirées. Donc tu peux tirer à travers, c'est pas comme s'il y avait un mur. Et donc du coup, bah voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc qui vous aura appris quelque chose sur un petit glitch sur Evac, sur Exodus. Donc voilà, la vidéo s'achève et au plus aussi, voilà, vous pouvez regarder, vous allongez là et bim, vous mettez dans le machin. Mais regardez ici, il y a un mur invisible, donc vous pouvez pas passer, regardez, j'avance. Je peux pas. Donc voilà, j'espère que ce glitch sur Exodus vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous répète, hein, je ne sais pas si ce glitch marche en multijoueur. Donc voilà, sur ces amis, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Poisson Poisson, tous les mecs.